Et voilà pour toi. Merci. Salut Tim. Salut. Salut les filles, qu'est-ce que je vous sers? Je te prendrai un coca s'il te plaît. Moi je vais prendre un orange. Ok, c'est parti. Salut tout le monde. Salut. Tu vas bien toi? Ouais toi. Douze couverts. Pas mal. Il y a un problème. Non, non. Salut, ça va? Ouais, carrément. T'as révisé le contrôle de français? Ok. Merci. Bonjour. Tu veux boire un verre? Bonjour. Je vais partir tout de suite. Ok. Salut, salut, à demain. Alors, oui, et donc, du coup, avant ça... Voilà. On t'appelle à la 4. Eh oh, tu m'entends? Quoi? On t'appelle à la 4. Oui. Et Lévinière, la fin du 17e siècle. Elle s'appelait comment, votre copine? Chloé Bertrand. Ouais, elle me faisait penser à quelqu'un. Merci. Salut! Ça va? Il fait tellement froid. Ça va? Mmh. Ah, on commande des pizzas ce soir? Ouais. Ça a pas l'air d'aller, ça va, Tim? Au bar ce matin, j'ai vu une fille, une ado. Bon, je t'en ai jamais parlé, mais j'ai eu une sœur. Elle est morte. Et la nana que j'ai vue ce matin, c'était son sosie parfait. T'avais une sœur? Sérieux? Elle est morte et tu m'en as jamais parlé? Je suis désolé. Mais c'était trop bizarre. Sa façon de bouger, de marcher, son regard, c'est un truc de fou. Mais tu sais, c'est peut-être sa réincarnation. Arrête avec tes conneries. Elle avait un grain de beauté sous l'oreille, pile au même endroit. Sandek, hein, cette histoire de réincarnation. Moi, j'ai plein d'exemples de ressemblances physiques. Elle s'appelait comment? Lola. Lola. Je commande les pizzas et après tu me racontes tout. Ok. Oui, ça serait pour une livraison de une commande. Allez, maintenant je t'écoute. Elle avait 18 ans. Elle a disparu un matin sur le marché. En 99.
Les flics disaient que c'était une fugue au début. Et au bout de 3 jours, c'est devenu un truc de fou. Tout le monde est venu nous aider pour faire des battues. Il y avait des keufs, des chiens. Il y avait même des hélicos. Puis au bout d'une dizaine de jours, ça a changé. Et les recherches sont arrêtées. Vache, mais... Ils l'ont jamais retrouvé ? Si, 3 semaines après. Elle a été enlevée par une secte. Ils l'ont retrouvée... carbonisée. Oh. Oh, putain, il m'a fait flipper. Bon, je vais chercher les pizzas. De la couture, la maroquinerie, un novice peut y arriver. Donc, j'aime beaucoup l'assortiment, mais je vais pas pouvoir l'utiliser. Donc, non, ça c'est mes poubelles. Le cri du cœur, c'était arrondi sur. Je suis maroquinière de reconversion. Au départ, j'étais huissier de justice.
Et au bout de 7 ans de droit et 2 ans, 2 ans au sein d'une étude, j'ai changé de métier. J'ai eu la chance de pouvoir... Je peux ? C'est dingue ce qu'elle ressemblait à ton père. Ils sont morts quand, tes parents déjà ? Ma mère en 2001 et mon père 3 ans après. Bon, allez. Moi, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Salut. Salut. Moi, j'ai cogité toute la nuit, là. Tu crois qu'elle est née quand, Chloé ? Je sais pas, comme Yasmine et Manon, j'imagine. 2003. Ouais, ça colle. À la mort de ta mère, ton père aurait pu avoir une autre femme. Elle est tombée enceinte, et puis boum, tu as une nouvelle sœur, et c'est Chloé. C'est plausible, mais j'y crois pas trop. Faudrait qu'on réussisse à en savoir plus sur elle. J'ai fait pas mal de recherches, là, mais... T'as regardé un peu, je sais pas, les réseaux sociaux, Facebook... Ouais, mais y a rien. C'est un fantôme, cette meuf. Elle a posté un truc, là. Intéressant. Elle cherche un covoit, là, pour ce week-end, pour aller à Berck. Regarde. Ah, tu pourrais lui proposer de l'accompagner ? Pour passer pour un stalker, non merci. Pas faux. T'as vu sa photo de profil ? C'est une Mustang. Ouais, j'ai vu. Il y a peut-être un truc à faire avec la Mustang. On en loue une. On en loue une. Tu vas au bar avec la Mustang ? Non, mais imagine 2 secondes. Tu vas voir tes 2 clientes, là, les copines de Chloé. Tu leur dis, oui, je pars à Berck ce week-end avec une Mustang. Oh, c'est tordu, ton truc, là. Franchement, je suis sûre qu'elles vont lui dire. Je suis sûre qu'elles vont lui dire. On peut tenter un truc ? Non. Oui, oui. Oui, on peut le tenter. Bon, maintenant, il faut quand même que je réussisse à trouver une Mustang. C'est pas faux. Ah non.
Salut. Je suis vraiment désolée, je voulais juste prendre une photo de la voiture. Ah non, t'inquiète, bah j'ai voulu me faire plaisir pour partir ce week-end à Berck. Ah oui, c'est marrant parce que j'allais juste à Berck ce week-end. Ah ouais? T'y vas comment? Non, parce que j'ai la voiture, donc... Avec un pote. Bah on se croisera peut-être alors. Ah non, je crois pas. En fait, quand je vais là-bas, je ne sors jamais, c'est pour ça. Bon bah, salut. Ouais. Salut. C'est quand même hallucinant qu'elle se soit pointée pile au moment où tu arrives. Ouais, mais à part avec un pote. Ouais, bah, on va laisser les choses se tasser. On trouvera bien un moyen. Mais du coup, tu vas rapporter la Mustang? Bah non, elle est louée. Yes. On part. Tu me laisseras la conduire? Non. Tu me laisseras la conduire? Ah non. Oui, allô? Ouais. Qui ça? Non. Ouais, ok. Tu me l'envoies maintenant? Ok, c'est super. Bah écoute, c'est super. Merci. Merci, à demain. Ciao. Bah quoi? Chloé, elle est passée au bar. Mais non. Elle demande si elle peut venir avec nous à Berck. Mais non. Si, elle a demandé. Mais non. Mais je te jure. Oh, c'est énorme. Allez. Oh, franchement, on est bon. Hein. Ah ouais. On est très très bon. C'est toi. T'es trop non, forte. C'est toi. Le génie du mal. Non mais, franchement. Et par contre, il va falloir lui poser un max de questions. Ok. Tu me fais une liste. Il faut, c'est notre T'as mission. Raison. T'as raison. On a un objectif. Tu me fais une liste et je déballe tout. Très forte. Très, très forte. Salut Chloé. Bonjour. Je suis la coloc de Tim. Je te laisse monter devant. Salut. T'es prête? Ouais. T'as bien dormi? Non, pas vraiment. Bienvenue dans ma Mustang. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver en tournée très bientôt, le 10 décembre à Lille et le 15 à Amiens. Dans une dizaine de minutes, les infos. Ensuite, reportage. Nous irons dans un élevage de poulets bio près du Touquet. Mais pour le moment, Émilie, le point circulation. Ça se passe bien actuellement. Circulation complètement fluide sur tout le réseau autoroutier du nord et de l'est de la France. Attention, prudence sur l'autoroute A16 au niveau de la sortie 14, c'est-à-dire Beauvais-Sud. Ouais, parce que tu veux. Un animal errant a été signalé. Et au fait, je t'ai pas demandé, mais pourquoi t'es pas parti avec ton pote? Il a eu un problème de dernière minute, je sais pas trop. Et donc là, tu vas voir des gens de ta famille? Ouais. Et donc ton père, il aime les Mustangs? En fait, c'est surtout moi. Il m'a transmis sa passion, mais maintenant, je crois que je suis pire que lui. Et tes parents, ils font quoi dans la vie? Rien de passionnant. Ils sont séparés, c'est ça? L'autoroute, je fais une petite pause. Oh là là! Ah, j'ai dormi comme un bébé. On est où? À une heure de Berck à peu près. Le réseau est merdique ici.
Alors, tu l'as cuisiné? Pas un mot, y a rien à en tirer. J'espère qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Hein. Ouais. Faudrait qu'on essaye de savoir au moins où elle vit. Ouais, mais comment? Alors, t'as du réseau, c'est bon? Ouais. Et c'était quelqu'un de ta famille au téléphone? Mmh. Ok. Mais tu vas où, là, en fait? Tu nous as pas dit. Chez moi. C'est là? Ouais, bah merci. C'est qui la femme à la fenêtre? C'est ma mère. Tu nous offres un petit café? Ma mère, elle est un peu sauvage. Et sort, de toute façon, moi je tiens plus, il faut que je passe aux toilettes. Mais tu vas aux toilettes chez moi? Bah oui, tu veux que je fasse pipi dehors? Il doit pas être si sauvage que ça, sa mère. Je reviens, je vais chercher mon portable. Ok. Bonjour. Bonjour ma puce. C'est mes convoites. Céline avait besoin de toilettes. Bonjour Céline, enchantée. Enchantée Morgane. Du coup les toilettes sont pas là. Ah oui. T'as vu la Mustang? Oui, comment t'as fait? Ah, le gars qui est parti chercher son téléphone, il venait à Pâques ce week-end, bon voilà. Et tu le connais comment? Tim, il est barman à côté du lycée. Il s'appelle Tim? Il y a du café? Ouais. Je vais en faire. Non, laisse, je m'en occupe. Il est sympa, Chloé. T'es votre seul enfant? Tim, c'est juste là. Ouais, c'est ma seule enfant. C'est vrai qu'elle est adorable. C'est bien ici, entrez. Bonjour. Et voici donc Tim. Enchanté. Enchanté. Morgane. Timothée. Mon petit Timo. Je sais que c'est toi. J'ai pas eu le choix. Ça fait 20 ans que je suis obligée de me cacher. Mais comment t'as pu être aussi égoïste? Et maman qui s'est suicidée à cause de toi? Le jour où ils m'ont enlevée, c'était l'horreur. La plupart des gens qui étaient là-bas étaient complètement brigadés. On devait tous mourir avant l'an 2000. Et puis j'ai rencontré ton père, Michel. Enfin, c'était Miguel, il a dû changer de prénom aussi. On voulait pas mourir avec les autres, alors on a mis au point un plan. Le gourou, Simon, voulait tuer tout le monde et se suicider. Du coup, perdu pour perdu, on s'est dit qu'on devait tenter le coup. Je devais prendre l'arme et tuer Simon. Et Miguel se tenait prêt à intervenir, s'il le fallait.
Mais on était jeunes et on était naïfs. Et accueille-nous pour une vie éternelle, loin de l'agitation terrestre qui va bientôt mener notre monde au chaos. Et à présent, prenons un temps pour nous recueillir avant le grand départ. Maître ? Oui, Lola. J'aimerais le faire. Tu sais bien que c'est un honneur qui ne peut pas incomber à une simple fidèle. Je vous le demande comme un ultime privilège. Tu as l'air de tellement y tenir. Tu crois peut-être que j'ai pas deviné ton petit manège ? Bien. Maintenant, recueillons-nous. Tu vas commencer par Paula ? Paula ? Lève-toi, je te prie. Ma chère Paula, c'est un immense honneur que tu as d'être la première à rejoindre le monde meilleur. Et c'est Lola qui va te faire passer la porte vers le monde éternel. Lola, c'est à toi. Allez, vas-y, Lola. Paula s'impatiente. Ne crains rien, Paula. Je suis là. Après ça, on s'est cachés tous les deux. Le lendemain, on apprenait que deux de ceux qui s'étaient sauvés avaient été retrouvés morts. On a dû changer d'identité et changer de vie. Et qu'est-ce qu'il est devenu, le type ? On n'a plus jamais entendu parler, mais tous ceux qui se sont sauvés avec nous sont morts. Le dernier, c'était il y a moins d'un an, tombé d'un pont. Tu comprends pourquoi je reste cachée ? Mais tout le monde pensait que t'étais morte. C'était Paula. Je lui avais donné un bijou. L'autre cinglé l'a fait cramer. Et les flics ont retrouvé le bijou avec mon nom gravé dessus. Et pourquoi t'as pas cherché à contacter tes parents ? C'est ce qui me semblait le plus sûr pour tout le monde. Bon.
crois qu'on a encore plein de choses à se dire. Vous restez déjeuner ?